livre nous en rennes long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous poutini nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas d'olivier lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à notre programme Tipa Tipa de ce dimanche. Comment au fin de trouver nos titres aujourd'hui, enseigner avec le cœur. Covid-19 fin amène beaucoup de problèmes dans le milieu estudiantin. Quand tout ban l'école ou ban établissement scolaire fin obligé fermé à travers le monde, près de 1,6 milliard d'enfants, élèves, pas fin capables à l'école. Mais ça fin démontrer comment ban professeurs, ban enseignants, se fin débrouiller, qui lit à travers Internet, parfois dans un pays côte n'a pas Internet, qui lit à travers téléphone, pas fin gain téléphone, mais se fin trouve tout ban moyen pour être capable continuer pour amener l'école, pour amener l'éducation. Mais aujourd'hui, c'est pas nous paierons un hommage, certainement, tout bon enseignant, avec la Journée internationale des enseignants qui est fin décrétée par les Nations Unies le 5 octobre dernier, la semaine dernière. Mais ce qui nous peut causer aujourd'hui, c'est qu'il y a l'autre qualité professeur. Ben, professeur qui a au-delà de leurs limites pour qu'ils ben les enfants trouvent qu'ils ont droit à l'éducation respectée. Nous avons donc M. Sautrel, qui représentant ANFEN aujourd'hui. Nous avons M. Oubed, ou dans l'école Gemstones, Sen, vous explique-nous qui était. Et nous avons, comme d'habitude, un témoignage de M. Noé Reddy, qui lit les films passent justement par un centre de formation, ANFEN. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Et donc, nos titres, c'est enseigner avec le cœur. Vous pensez tout bon enseignant, vous mettez votre liqueur, votre vocation, votre engagement. Mais raconte-nous, ANFEN, qui y était. Donc, ANFEN. ANFEN, c'est Adolescent Non-Formal Education Network. Quand on voit de l'amour pour les enfants, c'est vrai. Moi-même, au final, enseignant, on a 40 ans d'expérience. Au final, on rentre à ANFEN, justement, parce qu'ils vont trouver, c'est le formel. Dans le formel, il y en a beaucoup de. Il y a des enseignants, beaucoup d'enseignants qui travaillent avec le cœur, avec amour, mais il y en a quand même des enfants qui ne réussissent pas malgré ça. Alors, on trouvait qu'il y a ANFEN, là, un effort un peu spécial, une façon de faire, quand nous inclure l'enfant, c'est Inclusive Pédagogie qui nous a adopté, quand nous inclure l'enfant en tant que tel, comment il était, avec sa culture, pour commencer. Sa culture, nous collaborer avec l'enfant, nous permettre de collaborer dans son enseignement, nous permettre de développer sa créativité, beaucoup de créativité, et en même temps, nous célébrer son succès. Quand il réussit quelque chose, nous l'encourager parce que tout le temps, nous connaît. Peut-être, sûrement, à partir de la quatrième, je commence à faire, je finis même sur les enfants-là. Quand je finis de faire le CPE deux fois, ben, je n'ai parfois peine à d'autres solutions qu'ils ont allé un peu à gauche et à droite et viser à récupérer les autres. Et nous, en fin, notre mission, c'est de réintégrer ces bons enfants-là, remettre les autres dans une deuxième chance, les autres réussis dans la vie. OK, donc justement, le mot, c'est donner aux autres une deuxième chance. Combien l'école ANFEN est née à travers Maurice? Justement, ANFEN a déjà 20 ans depuis sa création. Ça a été créé avec 4 ONG à l'époque, par Aline Lille de Lorette, M. D'Argent de Joie de Vivre dans le Sud, César Kodabak-Piabakas de Ile-Souvani de Tinho, et on a aussi Mme Joyce Lamarck, qui est une représentante pour DLD Cité La Cure. Donc, ces 4-là, au fur et à mesure, 400 ont augmenté, nous arrivons à peu près, il y a presque une vingtaine, 19 centres. Donc, entre-temps, il y en a qui ne fait aimer, mais il y en a qui ne rêve jamais. Nous, finalement, nous, à 17. On a 17 centres, il y en a un à Rodrigue,
qui justement à travers l'éducation formelle, à travers la pédagogie inclusive, nous inclure, nous récupère ce jeune-là. À travers, bon, les enseignants, ce ne sont pas vraiment des professionnels, mais ils ont beaucoup de bonne volonté. Ce ne sont pas des enseignants qui finissent passeport à MAI, mais quand même qui ont un bagage suffisant, avec assez d'amour, surtout beaucoup d'amour, pour faire ce enfant-là arriver dans une deuxième chance. Talia Nupugete qui programme justement et non dans Anfen, nous du côté de Ubaid, et où travaille dans une école qui s'appelle Gemstones, SEN, S-E-N. Oui. Explique-nous qui est-il. Alors, merci beaucoup. Alors, Gemstones SEN School, c'est une école qui est sous la branche de l'association pour les handicapés de Malherbe. Alors, handicapés de Malherbe en haut, maison mère, et on va dans notre Gemstones SEN School, et nous avons aussi une résidence pour les enfants qui sont envoyés par la CDU. Et nous, à l'école, nous faisons l'éducation formelle. Alors, on va commencer par la pré-primaire et on va aller jusqu'à la PESAC. Et des fois, il y a des enfants qui sont restés après la PESAC, ils sont pas arrivés à faire la PESAC, ils ont l'âge à dépasser, mais on trouve des programmes adaptés pour pouvoir les encadrer. On ne va pas les laisser comme ça même, mais il y a des programmes qui font le jardinage, on va essayer de les aider. Et chez nous, nous avons des enfants qui sont dits handicapés et ils ont aussi le learner. Nous avons des enfants qui sont visual impairment, des enfants sur hearing impairment, my hearing, my visual, des enfants cerebral palsy, des enfants handicapés physiques, enfin, plusieurs types d'handicap. Et nous avons des classes selon leur niveau et comment ils peuvent travailler. Mais pour moi, c'est un petit peu confus là. Hein? Donc, dans une classe, combien les enfants se tiennent? Normalement, d'après le ministère, nous avons droit jusqu'à 1 à 7, un professeur pour 7 élèves. Ah, ben voilà. Mais chez nous, à Jamestown, nous essayons de baisser encore une fois. Avec une essai baisser, normalement, il y a plus d'allées, un professeur qui avait 3, 4, 5. Donc, un professeur pour 3, 4, 5. 3 élèves, 4 élèves ou 5 élèves dans ce classe avec. Ça dépend. Ça dépend du niveau. Okay. Pour les allées, nous avons 5, mais nous pas ici arrive jusqu'à 7. Ne pas donner ça à l'occasion. Alors, l'école, déjà, nous recrutons un thérapeute qui, deux fois par semaine, travaille chez nous. Il y a un psychologue qui travaille deux fois par semaine et un ergothérapeute qui est déjà là deux fois par semaine. Okay. Alors, déjà, l'enfant, même nous, si on a un problème pour qu'il nous ait trouvé, qu'il va encadrer les enfants-là, nous toujours qu'à référer nous avec Samane Jimena qui donne nous une technique pour qu'ancien enfant-là, qu'il regarde un peu plus bien avec lui. Par exemple, moi, je travaille avec un enfant de la upper primary, 4, 5, 6. Alors, cette année-ci, j'ai des élèves de la grade 4 et grade 5. Mais l'année dernière, j'avais des élèves de la grade 6, qu'on avait 3 élèves seulement. Mm-hmm. Et on va dire grand merci que sur 3 élèves, 2 ont pu passer la PESAC. Un, malheureusement, mais il est en extended cette année-ci. C'est la première fois que l'école a fait PESAC l'année dernière. Mais c'est toujours le début qui commence à arriver. Parce que l'association existe déjà 10 ans de cela. Déjà 10 ans, ça a déjà commencé comme un daycare, mais maintenant c'est une école qui fonctionne vraiment comme une école. Et les enseignants sont les enseignants qui viennent de la MAI. On doit avoir la formation de la MAI. On va être recruté par l'école, mais on doit aller suivre notre cours à la MAI, on va faire le certificat de la MAI. Il y a certaines personnes qui font leur diplôme actuellement à la MAI. OK, tout à l'heure, nous pouvions leur formation qui gagnait. Nous écoutons maintenant M. Reddy, Noé. Oui. Et donc, Noé, où au final l'école Anfen? Oui. Tu es content qu'on ait... Comment ça se passe? Jour qui dit à vous, par exemple, ou nous fait l'examen, ou pas capable de continuer à l'école? Découragement, parce que nous ne sommes pas vraiment capables de faire plus après, comme si nous ne pouvions pas dans vraiment l'avenir, si nous pénalisons l'éducation. C'est que tout le temps, du monde dit, si tu pénalises l'éducation, tu ne peux pas arriver dans la vie, mais moi, tu finis sorti moi abandonné pour moi-même, parce que nous ne sommes pas capables de faire plus. Et c'est vraiment ce sentiment qui m'a ressenti, qui... Pour moi, l'éducation, c'est fini. Je n'ai pas aucun avenir. Je suis capable, après, de battre un petit travail, comme on nous dit. Mais côté éducation, c'était fini pour moi. C'est ça, le sentiment qui m'a ressenti. Où tu as l'école, au final, l'école primaire? Oui, je suis à l'école primaire, mais comment je finis mes 2 ans sixième, je n'ai toujours pas encore connu ni langue française, ni langue anglaise. Et c'est vraiment décevant qu'à l'âge qui m'a été, je n'ai pas même qu'à lire ces affaires. Quelles difficultés
qui t'empêche ou apprendre? Moi, mon expérience qui me fait, qui me découvrait après, c'est qu'à l'époque, je tout peux apprendre à même niveau. Comme si quand un professeur, tu peux montrer nous le tableau, tu peux au même niveau pour tout le monde. Mais si alors, moi, j'ai une difficulté à apprendre, mais je reste à mon niveau et je ne peux pas suivre les autres. Et c'est ça qui ne peut pas me permettre, moi, comme si j'avance plus. Parce qu'il ben, c'est que tu connais, tu peux connaître. Si moi, tu peux connaître, mais je reste à niveau là. C'est ça qui me fait un blocage dans mon éducation primaire. C'est là où cette classe, comment on appelle, que nous, ou sort dans première, ou dans seconde, troisième, jusqu'à où arrive sixième. Oui, jusqu'à où arrive sixième. Ben après, avant moi, dans Anfen, je suis allé à l'école de rattrapage même, qui est en association avec Anfen. C'est là-bas qui, comme si je me découvrais vraiment, qui appelle l'éducation, qui appelle l'amour pour l'éducation. Parce que là-bas, l'éducation était différente. Tu as un minimum de 13 enfants environ. Et comme on rentre là-bas, nous pas tu n'as aucun tableau pour apprendre. Moi, je suis rentré, je décide pour apprendre ce que moi, j'ai envie d'apprendre. Je dis à monsieur là qui ne m'a pas connu lire. Il apprend moi une syllabe. Il apprend moi comment prononcer, comment lire français. Comme si, petit à petit, comme si je tiens un enfant maternel, je peux réapprendre tout à zéro. Quel âge tu as? Environ, je tiens à 12 ans, 12 ans à 13 ans. Oui, 12 ans à 13 ans. Et pour vous dire franc, je apprends l'anglais d'un dictionnaire. Je dis à beaucoup de monde. C'est de dictionnaire qui m'en apprend l'anglais. Parce que là-bas, laisse-moi décider comment m'en vient apprendre. Moi, tu prends un livre. Le conseil qui m'a gagné, c'est prends une page et moque tout mot qui ne m'a pas connu. Mais pour moi, dans le livre-là, page-là au complet, tout mot va tu connais. Et alors, m'en apprend tout mot de dictionnaire. Et c'est un peu comme ça qu'il m'en apprend avec un dictionnaire. Parce que moi, je passe plus avec dictionnaire qu'avec le livre-là. Mais ça, il rend moi comme si plus confiant. Oui, parce que là-bas, nous sommes vraiment comme une famille. Comme une famille. Et c'est ça aussi qui a levé moi pour me refier mon sixième avec Anfen. Et là-bas aussi, ben, c'était vraiment une nouvelle expérience qui, comme si l'école normale. Parce que nous vraiment une chaîne famille. Je connais M. Antoine pour raconter une valeur. Mais moi, mon expérience, une valeur qui m'a donné, c'est vraiment côté l'écoute. Parce que moi, je suis d'une famille un peu pauvre, un peu comme si. Un petit problème, un peu normal, mais ça t'a affecté moi un petit peu dans mon éducation. Mais quand tout le monde rentre dans l'école, tu as tout le temps un professeur là qui dit à moi, ben, c'est ton envie de nous causer. C'était vraiment juste l'écoute. Il n'y a pas un petit peu critique moi, il n'y a pas un petit peu ni de moi, ben, mauvais conseil, bon conseil. C'était vraiment l'écoute pour moi, me libérer moi et pour apprendre après. Mais c'est une grande valeur qui m'a trouvé, ben, l'écoute. Et je tiens un côté compréhension vraiment haute et vraiment qu'ils ont adapté vraiment à tous mes élèves. Comme si moi, mon niveau est un peu plus bas, je suis concentré d'une autre façon différente qu'avec un autre élève. Oui. Nous vous connaissons aujourd'hui, quand ça finit, nous. Merci. Nous avons un peu une cause bonne valeur. Une cause bonne valeur, c'est vrai. Antoine, bon, qui valeur? Voilà, justement, une cause d'amour, la première valeur, là, c'est l'amour. L'amour, on a le respect pour celui qui vient. Un peu comme on est venu comme ça, sans qu'on n'ait rien, nous respecter le jeune, enfin, l'enfant qui vient, le jeune, l'adolescent qui ne fait des fois CPE. L'amour, le respect, l'écoute, justement, l'écoute, lui, le bon enseignant, animateur, être toujours à l'écoute, qui sont problématiques. Donc c'est important, l'écoute. Et alors, il y a aussi nous donner une certaine estime, c'est-à-dire estime lui-même, développer une certaine estime de soi, refaire lui, comprendre qu'il il y a un échec venu même lui. Il y a une failure cycle, on appelle ça. Tout le temps, il finit failure, il n'est pas venu. Mais dans une arrivée, nous fait lui comprendre qu'il est capable de réussir, qu'il n'est pas un échec, qu'il n'est pas n'importe. Vous voyez là? Donc c'est très, très important. Donc nous, on a aussi le côté psychosocial. Bon, il y a le côté pédagogique, il y a le côté psychosocial, il y a une bonne counselors, il y a un travailleur social qui fait le lien entre nous et avec les parents, ou ceux qui sont responsables parfois, qui n'ont pas de parents. Mais il y a toujours un lien pour développer d'autres de façon. Prends un peu l'émotion émotionnelle en considération. Mm. Alors, les social workers, les bonnes counselors, et si jamais ils ont un problème aussi, capable de référer eux à un psychologue pour remettre eux vraiment sur la route, sur le chemin du succès. Okay. Mais seulement, justement, comme vous avez fait, je peux dire, nous, il y a trois niveaux. Il y a un niveau 1, quand on ne peut pas connaître du tout, qui veut venir, qui vous recommence avec eux à zéro. Il y a un niveau 2, quand vous montez un petit peu plus. Il y a aussi niveau 3, troisième niveau. Et quand aussi, il y a une partie qui fait PESAC. Enfin, c'est à l'époque, maintenant PESAC. Il y a certains centres aussi qui préparent les enfants qui viennent réussir à récupérer pour le faire sur le PESAC. Et Antoine, vous faites une cause de parents.
Et donc, il y a un travail social qui fait avec les parents, qui responsent les parents-là. Bon, oui, ça dépend. Il y a beaucoup de parents qui vraiment font des efforts, qui ont envie que leurs enfants arrivent, qui viennent garder toujours le contact avec nous à travers les travailleurs, les social workers. Mais là aussi, c'est vrai, il faut reconnaître que les parents, c'est pas tellement care. On a besoin de dire ça, il existe ça, hein, qui dit bon, bon. Je donne confiance aussi, hein, de dire bon, modeste aux enfants, nos enfants, écoutez, vous ne pouvez pas faire avec lui. Bon, voilà. C'est un peu difficile parfois. Mais parfois, nous disons qu'on comprend que c'est pénalé tant, il y en a pénalé tant, il y en a qui, tout le temps, il y en a professeur qui dit aux autres, nos enfants ne sont pas capables de faire, non, il y a peut-être, non, il y a une bonne expérience négative, hein. Je dis, bon, mais qui ne peut pas le faire, laisse-le là, là-bas, donc il y a qui arrive. Mais pas tout qui comme ça. Mais heureusement, à travers la psychologie, à travers les counselors, nous regagnons les autres, la collaboration est importante. Hein. Nous, les piliers de la pédagogie inclusive, hein, la collaboration parmi, la culture, la créativité, la collaboration avec l'enfant lui-même qui collaborait dans ce. Dans l'apprentissage, collaboration avec les parents et collaboration aussi avec ceux de la communauté. Ceux qui sont dans la région qui peuvent prendre un enfant en charge, par exemple, ou prendre un métier. Donc, nous sommes capables de collaborer avec les gens dans la région pour disposer, faire une visite, de travail. Vous voyez, une collaboration vraiment à tous les niveaux. Parents, l'environnement, communauté. Alors, justement, quand Bécoz a l'éducation inclusive et où Bécoz la société, ou Bécoz l'environnement, ou Bécoz parents, ou Bécoz enfants. Donc, il y a un travail global. Est-ce qu'ils obtiennent facilité? Est-ce qu'ils gagnent tout bon moyen à porter pour capable? Oui, enfin, justement, tout ce bon ONG, là, les 16 ONG qui sont en Maurice, c'est NKO aussi, ils aussi gagnent l'aide avec NSIF, hein, National Social Inclusion Foundation. Il y en a aussi qui gagnent bon sponsors, qui sponsorisent les autres, qui aident les autres. Parce que nous en comprenons, il y en a même l'école qui donne les autres aussi le petit déjeuner. Un déjeuner, c'est un besoin qui vient accompli, c'est un besoin de base. Donc il y en a aussi d'autres sens d'appartenance qui donnent les autres à travers un track shoot qui porte le logo d'un. Mais tout ça dépend des finances. Bon, les difficultés, c'est que maintenant, ce n'est pas évident d'avoir des sponsors, mais quand même à travers le NSIF, nous gagnons. Un aide ou support un peu, un travail qui peut faire, un projet qui se fait des autres, qui se trouve valable, qui les autres financent nous. Ou bien nous avons justement formation, peut-être nous sommes contents de connaître qui formation besoin pour venir un professeur dans une école spécialisée. Ok. Mais d'abord, mon pensée, je n'ai besoin de l'amour pour les enfants. N'importe quelle formation, je vais donner les meilleures formations, les meilleures facilités, mais si pas l'amour pour l'enfant, je ne veux pas travailler avec ces enfants-là, c'est déjà foutu. Et je pense qu'ils vont avoir le niveau secondaire, SI, HSI, et vouloir suivre des cours spécialisés. Alors, à la MAI, même les enseignants vont partir pour des cours de pré-primaire, premier, pour pouvoir avoir un peu les notions de la base des enfants. Et aussi, ils vont partir à la MAI pour pouvoir faire le foundation, certificate et aussi un diplôme. Et ce n'est pas toujours facile dans les classes avec des enfants, avec des handicaps. Comment vous arrivez pour gérer tout ça? Il y a toujours un nouveau challenge. Tous les jours, c'est un nouveau question. Nous avons un target qui nous mettait pour un jour-là. Ne pas arriver terminé, nous devons répondre le lendemain. Des fois, l'enfant, il est venu aujourd'hui, il me trouve, OK, mood pas bon, pas envie de travail. On devait comprendre que mood pas bon, pas envie de travail aujourd'hui. On devait trouver un autre travail un peu en parallèle, de nuit, juste pour remettre notre bain. Des fois, il va arriver le matin, il me vient, pas envie de travail, mais l'après-midi, c'est bon. Le travail qui tient en retard, il reste rattrapé, il dit, OK. Beaucoup de nos enfants, c'est sur le learner. Nous avons plusieurs types d'handicap. Et que maman me travaille plus sur l'académique, dans l'académie, vous avez même plus point sur le learner. Ou même un problème associé. Maman, l'un dernier, c'est qu'il m'a fait faire PESAC là. C'est un qui tient un problème de surdité et visuel. Alors, pour lui, ici, il ne peut pas venir de plus à l'école avant d'atterrir avec nous. Il ne peut pas venir de trois à l'école, après d'atterrir avec nous. Juste maman, nous, le récit prend lire, récit mettait en main. Et voilà, le récit, mais c'est moi, dit que moi, je connais qu'il y a un problème visuel et problème. Alors, je suis toujours devant le tableau, comme au Bécoz, je me connais qui que des livres, peut-être un mois. Je suis à côté des livres, que j'en lis plus, ça va, ça allait là. Et nous, en même temps, quand nous, ça dépend du professeur aussi. Que maman m'a toujours, pour m'obliger d'un coup de figure, l'expression faciale. Les enfants-là, comment ils étaient, ça. Je me connais qui, maman, il me quitte moi. Je me connais qui, quand même, finit l'explication, je me reviens avec lui. Je me connais qui, maman, il peut répondre, je me réponds l'explication réelle avec lui, là. C'est un peu ça. Et après, nous changeons un peu de technique, nous pas juste tableau, papier. Livre, nous essayons un peu tablette, nous essayons un peu laptop, nous essayons un peu d'affaires de créativité. Nous essayons d'inclure dans les éducations. Oui, OK, livre, on va lire, on va travailler tes pages, non, c'est pas ça. Donc, Noé, aujourd'hui, qu'est-ce que tu étais?
Ben, aujourd'hui, je suis à l'université de Fashion and Design Institute. Je prends un cours en intérieur design. C'est assez un niveau élevé parce que je fais un degré pendant 3 ans. Mais normalement, comment on arrive là, c'est grâce à Anfun Design Dia pour moi, personnellement, parce que c'est Bana qui fait ma grand choix. Je tiens un choix pour continuer un programme pour préparation de la vie professionnelle chez eux, comme coiffeur, hôtellerie et tout, ou à le collège. C'est comme si Bana tout le temps fait un suivi avec moi. C'est vraiment difficile pour le cours là pour moi, parce que je suis à le collège, je ne peux pas faire forme 1, je suis en forme 2 à cause de mon âge. Et je tiens un critère vraiment spécifique, je ne peux pas redoubler aucune classe pour que j'arrive au moins en forme 5. Et c'est ce qu'ils vont faire, avec notre soutien aussi. Ils ont toujours encadré nous, même si nous quittons l'école, nous avons toujours des enfants en fun. Et comme on arrive forme 5, c'est un gros problème qui m'a gagné, c'est mon âge. Je pense qu'à... Quel âge je tiens? Je peux aller dépasser le 20... je peux aller au 21 ans si je peux faire mon HSC là-bas. Mais là, je vais faire l'école privée. Et c'est ça qui est mon plus gros problème. Et c'est là qu'ils m'ont retourné vers Anfun, comme toujours, Bana toujours présent. Et comme je suis en train de dire, des fois, nous avons des sponsors qui sponsorent nous. Et Bana n'a pas hésité toujours pour retenir des sponsors pour moi. Je vais faire l'école privée au CEP, je vais faire mon HSI. Et mon récit passe mon HSI. Et Bana toujours encore pu suivre moi dans mon parcours. Et c'est vraiment ça suivi là qui encourage moi pour aller plus de l'avant, satisfaire moi comme si, pour moi, mon réussite moi-même. Et pour Bana aussi, je comme si montrer Bana qui ne veut pas faire un an, je vais amener des gens plus loin de mon vie. Moi-même. Je suis vraiment confiant maintenant. Pour moi, rien n'est possible. Comme M. Antoine peut dire, une activité sportive, une compétition de dessin, tout cela, à chaque fois, je suis content de participer. Et je suis un peu comme si vainqueur de ma compétition de dessin. Et c'est un peu ça aussi qui m'inspire moi pour connaître que ça vraiment où bien aller de mon vie. Et c'est pour ça qu'il m'a fait architecte intérieur maintenant, comme cours. Et donc, puisque nous pouvons célébrer la journée des enseignants, Antoine, aujourd'hui, il y a une tendance pour dire que ben, enseignant aujourd'hui, je ne sais pas comment, ben, enseignant longtemps, et où, dis-moi, on fait 40 ans dans l'enseignement. Qui jugement ou amener aujourd'hui sur l'éducation? Sur les éducateurs? Bon, le jugement, c'est que... Enfin, le contexte est différent. À l'époque, parce qu'il y a autant de compétition. Il y a une compétition tout le temps, mais la question de leçons particulières, la question d'argent. Donc, du moment qu'il y a un professeur, il est intéressé avec ce... Il y a une mission dans la vie, il n'est pas intéressé tellement avec l'argent. Il y a le problème des leçons particulières qui, tous les enfants, n'ont pas capable et non. Et qui ne peut pas prendre les leçons, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi. Mais peut-être il y a ce côté-là, peut-être qui est différent. Moi-même, quand je suis à l'école, bon, à l'époque, bon, parce qu'il y a tellement de leçons particulières, c'est une bonne volonté qui peut aider nous. Alors c'est un peu ça le rôle d'Anfun aussi. Un enseignant, un éducateur d'Anfun, avant tout, il y a une responsabilité envers ces bons enfants-là. Ce n'est pas tellement une question d'argent. Ça me rappelle que si vraiment, si nous faisons contre l'argent même, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de valeurs, beaucoup de choses qui nous perdent et ne pas permettre les autres d'arriver. Moi, c'est qui je suis content aujourd'hui d'annoncer, dire ce qu'il vient de dire. Et qui, vous pensez que nous, tout le monde qui est dans le fait, tout le monde enseignant, tout le monde éducateur, tout le monde volontaire aussi qui vient, qui aide nous, ou les autres touchés par ça, et pour dire que vraiment, nous avons un rôle à jouer, vraiment, nous sommes capables de faire quelque chose pour la société. Il y a aussi le côté employabilité qui nous peut faire aussi, pour encourager les autres, quand les autres finissent l'étude, aller un petit peu plus loin et montrer aux autres comment on peut intégrer le monde du travail, la discipline, le respect et tout. Donc, nous avons envie. L'enseignant, lui, il a besoin de mission pour former le jeune, l'enfant qui est là, l'apprenant, à la société, pour vivre dans la société, pour intégrer la société, faire partie de la société. Et Oubed, qui est le mot de la fin, me laisse pour vous? Si un parent a un enfant handicapé, vous ne voulez pas décourager, parce que les enfants ont un droit à l'éducation, essayez de persévérer, encadrer les enfants-là, faire manière que les enfants-là arrivent. Parce que n'importe quel enfant, vous trouvez. L'enfant qui passe pas arrivé à Zodji, moi, je trouvais qu'au moins vers le 6e, que ce maman pleurait de moi, il est content que ce enfant passé à Zodji. En confinement, c'est vrai que vous faisiez un par un travail, c'est assez difficile, vous êtes online pour travailler, c'est bien, c'est assez compliqué ça, là. Et en même temps, il vous a composé pendant le confinement, que je ne peux pas transport, puis aller, mais à une bonne distance, c'est pour qu'il reste, puis il a composé les enfants-là. C'est assez difficile pour l'enfant aussi. Mais moi, je dis chapeau à lui, parce qu'il montre vraiment que
des fois, pas fait terminer. Ce qu'il nous fait derrière, c'est le travail qu'il nous fait. Moi, je connais le travail là pour continuer, je suis maintenant en cours. Et donc, nous arrive la fin de ce programme-là. Si vous tenez un message ou dire, ben jeune qui dans le cas, Noé, qui vous tenez pour dire aux autres? Ben vraiment, pas suivre ben flou qui est là, apprendre à faire ben choix. Mon choix pour moi, il est vraiment important et je pense que c'est le choix qui décide de l'avenir. Si je t'apprends à faire un bon choix de la vie, ben je peux arriver à faire. Et pas abandonner, jamais pas abandonner, pas baisser moi tout le temps. Moi, je dis, beaucoup de gens me disent que j'ai la chance, mais moi, je dis que ben, la chance nous a provoqué. Et si je provoque la chance, ben, je peux arriver à rien possible. C'est qui me sorti N0 et qui m'arrive là aujourd'hui. Ben, toujours un amant du monde qui l'a, mais nous sommes attentifs à ce qui nous a gagné et ce qui nous a fait. Donc, une fois de plus, tipa, finalement, nous, une leçon. Pourquoi finalement, nous pouvons dire tipa, enseigner avec le cœur? Puisque la semaine dernière, nous tirons sur ce même plateau la langue des signes qui est la langue pour tous. Aujourd'hui, nous finissons l'éducation, l'instruction. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour, c'est également une histoire de volonté. Merci Noé pour cette belle leçon. Merci de courage vous, et Oubed, bonne continuation. Merci, et bonne chance à Anfen. Vous faites tous un travail magnifique pour que cette société, inclusive ou pas, puisse tipa avancer tous ensemble. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre tipa, nous avançons. Pour nous marcher. Tipa, nous continuons pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pardonnons les bien lourds, nous n'avons pas besoin. Nous pour avancer vers le royaume bon Dieu.